mes habits, man. Tu me fais l'eau t'échapper sur tous les habits, man. Sur tous les habits. Père, c'est fini. Et nous moins carrément ses habits. Elle a carrément fait le ménage, on dirait. Names Reborn. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Yann Souban. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un problème de couple. Un homme est revenu à la maison et il a trouvé que sa compagne a démoli ses vêtements. Ouais, elle a versé du Javel sur tous ses habits. Et elle a une raison. Ouais, elle dit qu'elle a fait par amour. Parce qu'elle croyait que cet homme en question était allé voir une autre femme. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends vraiment pas. Hey! Donc, quand on est en colère, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Vraiment, je ne reconnais plus mon pays. Bon, allons voir ça ensemble. Âme sensible, veuillez vous en abstenir parce qu'il y aura des pleurs ici. Ha! Est-ce que l'homme réussira-t-il à pardonner à cette femme? Allons découvrir toute cette histoire jusqu'à la fin. C'est parti. Parfois, je me demande ce qui se passe dans la tête des gens. Ah, comment est-ce qu'on peut aimer jusqu'à ce point? Jusqu'à détruire son prochain par amour. Est-ce que ça, c'est réellement de l'amour? En tout cas, c'est la question que cet homme se pose. Oui, c'est lui qui a filmé ça. Et ses habits se trouvent là derrière la femme. Cette jolie et magnifique femme. Ce n'est bien évidemment pas elle. Elle-même, elle est étonnée. Comme Nyan Sripon ici. Ouais, ouais. Parce que ce qui s'est passé est grave. Regardez. Je ne peux pas me faire frapper. Je te jure. Non, c'est fini. C'est fini. Là maintenant, c'est fini. Je t'ai donné les. Tu ne peux prêter tous mes habits, man. Tu me fais l'eau t'échapper sur tous les habits, man. Sur tous les habits. Père, c'est fini. Et nous moins carrément. Ses habits, elle a carrément fait le ménage, on dirait. Elle a versé de l'eau, de Javel, sur carrément tous ses habits, selon l'information que lui-même, il est tenté de nous montrer ici. En fait, quand vous versez de l'eau, de Javel sur les vêtements, ça laisse des taches blanches sur le vêtement. Ouais, en tout cas, ça fait d'énormes dégâts. D'énormes dégâts, c'est comme si vous avez détruit le vêtement même. C'est grave. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Je vous l'explique un peu, mais écoutons-le. C'est fini quoi? Regarde mes habits. Regarde tout le placard fermé, mes costumes, tout. Parce que les gars qui me tiennent sont jaloux de moi. Tu me fais ça, père, c'est fini. C'est fini, boy. C'est fini comme ça, toi. Non, père. Moi, je suis venu dans ces films. Je te dis que c'est fini entre nous, man. Tu ne peux pas, c'est que regarde tous mes habits, man. Tout mon frère, tout, tu mets l'eau de Javel sur tous mes habits. Tu n'as pas la jalousie, man. C'est comme ça, parce que je le combat. Hein, faut m'entendre ça. Tu as reçu du mal. Je t'aime avec toi. Personne ne passe à ça. Regarde tous mes habits, mais comment ça où? Regarde, je te mets tout, tu mets l'eau de Javel sur tous mes habits, mais tout. Et c'est elle qui est en train de pleurer là derrière. Elle dit, écoute, pardonne-moi, je l'ai fait par amour. Je l'ai fait parce que j'ai cru que tu m'avais trompé, tu me disais que tu me trompais. Pardon. Et jusqu'à même, elle est même prête même à racheter tes vêtements. L'amour. Eh, l'amour. Mais c'est quelque chose d'amour qui, tellement ça déborde, amène certaines femmes à se comporter ici. Moi, je ne comprends pas. Et elle a dit de me demander pardon. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Regardez ça en commentaire. Vous-même, regardez si c'est vous. Si c'est vous, vous venez à la maison, vous trouvez vos femmes à vous faire de l'eau sur vos vêtements. Qu'est-ce que... Non, de l'eau de Javel, mais qu'est-ce que vos réactions? Et si elle avait qu'à moi, c'est comme si elle avait brûlé même les vêtements. Hein?
Mais consume tout. Qui va accepter sa fête? C'est chou, mon Dieu, consume deux habits. Regarde, chou, mes habits, man. Tout. Non, cette fois-ci, moi encore. Tu m'as fait le plus. Tu ne penseras pas à moi. Je t'ai fait quoi? Je ne t'ai pas changé. Je ne t'ai pas changé. Elle dit, oh, tu m'as trompé, pardon, c'est parce que tu m'as trompé que je l'ai fait. Ah! Elle dit, mais de quoi tu parles? Tu dis que je t'ai trompé, mais voilà, je suis là juste là devant toi, comment est-ce que je t'ai trompé? Même s'il a trompé la go, même si c'est vrai qu'il a trompé, hein, est-ce que c'est comme ça qu'il faut régler les problèmes? Juste en détruisant les choses de la maison. Et il y a plein de femmes ici qui me regardent, hein, elles quand elles sont fâchées. Aïe, aïe, aïe. Elle casse tout à la maison, la télévision, les marmites, les assiettes, comme si elle était un DJ. Un DJ. Ah! Ouais, mais ça c'est grave. Regardez ça. Je ne veux pas, là, je ne veux pas, c'est ça, je ne veux pas. Je vais trouver encore les vêtements, c'est où? Je vais trouver encore les vêtements, c'est où, non, madame? C'est fini. Moi, je ne peux plus être avec toi, frère. Tout ce que tu as fait, je t'en fais, tu sais tous les jours. Tu parles de tout, tu en penses, tu fais ce que je n'aime pas les femmes, je n'aime pas les femmes. C'est toi qui étais ma femme, je t'ai tellement parlé. Comme on fait tes dragons, tu les racontes, tu ne peux pas pour toi. Regarde tous mes habits, tu ne prends pas les habits de la maison, Joe. Regarde ce que tu me fais. Ça, c'est l'amour. Même les costumes, tu dis que je tiens, même le costume qui coûte cher. Apparemment, elle a déchiré tout ça juste parce qu'elle a cru que le gars la trompait. Que ça serve de leçon à toutes les femmes, quoi. Ah! Père, c'est fini, man. C'est fini. C'est fini, père. Je te dis que c'est fini. Elle demande pardon. Elle demande pardon. Son pardon a dépassé le niveau. Est-ce que l'homme doit-il pardonner? Je suis pour toi, mais pas jusqu'à ce point. Regarde. Eh, dis-moi. Je voulais apprendre que tu avais coupé. Et ça tombe sur la consigne que tu as coupé. Je ne l'ai pas coupé. C'est le noir qui m'a mis. Je ne l'ai pas coupé le consigne. Donc tu as mis sur la consigne, moi. Moi, j'ai jamais mis. Même si je n'ai pas fait exprès. Je me suis dit que tu l'as pas fait. Dis-moi, c'est bon. Je ne peux pas. Et le monsieur, vraiment, il refuse carrément de continuer à vivre avec elle. Parce que ce qu'elle vient de faire, apparemment, ça l'a dépassé. Lui, il aime bien les habits, ouais, non. C'est son point faible, c'est qu'il aime beaucoup les habits. Ah! Et elle a touché à son point faible. Va-t-il réussir à le pardonner? Elle pleure. Hé! Hey. Faudrait pas que l'amour vous pousse à commettre un crime. Faudrait pas que par jalousie vous commettiez des crimes. Il y a des gens qui ont tué l'amour de leur vie juste par jalousie. Oui, mais regardez. Je ne peux pas, je te dis que c'est fini. Je te dis la vérité. Maintenant, alors maintenant, il est l'heure que tu passes sur Facebook. Ceux qui te traquent maintenant, appelle-le maintenant. Il est l'heure. J'étais tellement observé. J'étais tellement averti. Ta famille m'a fait les choses, tout. Je suis resté avec toi. Tu as oublié tout ce qu'on a subi ensemble. Tout ce qu'on a bâti ensemble. Papa, c'est la vie, je ne peux pas dire aux filles. Joe, tu vas accepter que nous devons retourner à zéro. Papa, tu vas accepter que nous devons retourner à zéro. Je n'ai pas eu de croyance. Hein? Papa, tu vas accepter. Oui, tu vas me perdre. Oui, tu vas me perdre. Oui, je peux faire. Waouh, il dit qu'il peut faire la laisser seule. Ça, c'est une chose vraiment terrible. C'est une chose terrible que je partage avec vous. Ah, vraiment, si ça vous arrivait, quelle serait votre réaction? Réaction en commentaire, je vous attends. Mais moi, j'ai déjà vu dans ma vie des femmes qui se sont vraiment mal comportées. Ouais, par jalousie. Ou bien, parce qu'elles ont pensé que le mari les avait trompées. Elles ont décidé de faire des choses chelou. Dans le premier cas, j'ai vu une femme qui cassait tout à la maison.
casse télévision, tout. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle pense que son mari la trompe, elle doit tout casser dans la maison. Son mari doit se préparer à racheter encore toutes les choses de la maison. Les télévisions, elle les démolit tous comme si elle était possédée. Une femme, ça doit être calme, non? Ça doit quand même être calme. On peut régler le problème au calme, sans forcément détruire les biens d'autrui. Juste pour pousser cette personne dans la colère ou pour faire mal à cette personne. Dans le deuxième cas, j'ai vu aussi une femme mariée. Voici, son mari arrive parce qu'elle pense que son mari l'a trompé. Elle ferme la porte, elle dit non, tu rentres pas ici, tu restes là-bas. Ouais, tu rentres pas dans la maison, toi tu restes là-bas. Et c'était un jour où il pleuvait. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça devient? Comme quoi, être en couple, c'est pas une chose facile. On se met pas en couple parce que on veut que les gens nous regardent sur les réseaux sociaux. On se met pas en couple pour faire plaisir aux gens. Hey, ah, prenez le temps qu'il faut pour découvrir l'autre. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de mettre cette situation-là, c'est de mettre cette personne, la personne que vous voulez épouser, mettez cette personne en situation de colère. C'est-à-dire, faites quelque chose pour que vous puissiez voir jusqu'à où sa colère peut aller. Pour voir si vous pouvez maîtriser sa colère. Si vous avez pu maîtriser sa colère, si vous l'avez cerné à ce niveau-là, c'est sûr que ça pourrait un peu aller dans le foyer. Je dis un peu parce que c'est pas encore fini. Vous devez affronter les difficultés, affronter les choses. Et c'est pas une chose facile. Vraiment, on demande pardon, monsieur. Voilà, pardon à la go, pardon à ta femme. Mais madame, faut se sentir pour. Faut plus mettre de l'eau de javel sur encore le réseau de ton mari ou de faire quelque chose du genre. Et dans les commentaires, il y a un gars qui a dit s'il lui pardonne la prochaine fois, c'est dans son cercueil là-bas, elle va mettre l'eau de javel sur lui là-bas dans son cercueil. C'est-à-dire qu'elle va le conduire à la mort, quoi. Pas possible. Ok, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Suivez ce bon, soyez prêts. Abonnez-vous et activez la cloche de bas pour la prochaine vidéo. C'est parti. Ha! Wow, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nyan Souban et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez aller sur une page web, vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc-notes où se trouvent nos informations bancaires. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Bonne soirée de vous. Thanks Reborn.